Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, ma loca, sinon je te dirai bye bye. Allô, wesh, dis-moi ce que tu fous. Ça fait une heure, je t'attends, franchement, t'es grave relou. Je suis dans les bouchons, c'est grave bouché. Je vais au plus vite, je vais bientôt arriver. T'es jamais à l'heure, de façon, le film a commencé. Bon, du pain, du lait, des chips, faut pas que j'oublie. Chris est donc bien élevé ici, là. Hey, juste pour trois affaires, ça. Ah, c'est pas grave. On y va. T'as oublié ton masque! Tes mains! C'est fait tantôt! Ouais, pas grave, t'es sorti dehors, faut que tu recommences. Ok. Salut! Salut, ça va? Eh oui! On va faire 5 et 19. 5 et 19, ok. Oh. Ah merde, j'ai oublié mon portefeuille, j'ai oublié, c'est beau, ma tatane! Enrelé, la belle journée, pareil! Tes mains! Ah, tes mains! T'es sorti dehors, hein, fait que t'as pas le choix! C'est gossant, je sais. Je vais te payer ça. Ah, ben. Avec la carte. C'est bon, vas-y. Oh. Merci. Merci, bonne journée. Bye bye. Ah, mon dieu. J'ai oublié les chips. Il faut que je retourne au dep. Ah ouais, lave! Vas-y, vas-y, ouais. Vas-y, vas-y, aller. Pour moi? Hey, les mots, chips, ma petite fille. Ouais, ça a été compliqué ton affaire, ça a été dur un peu. Ah, c'est de la merde. Non, non, mais relax, là, guest, ça va bien aller, là. Ouais, ben moi, je pense que je vais aller m'écraser sur mon sofa pour passer la pandémie. Allez! C'est ça qui m'aille, je te le dis sans faille, c'est cool, ma loca, sinon je te dirai bye bye. Allô, mon amour, ça a bien été? Ah non! Ça va, j'ai pas de paix. Attends, je te... mes lunettes! C'est la merde! Avec le masque, c'est terrible, les lunettes! Là! Là! J'arrive là! Attends une minute! On va le mettre là, on va le laver tout à l'heure. J'arrive là! Un line-up! Jusqu'en arrière du magasin! Ça fait le tour de la bâtisse! La distanciation, c'est de la merde! On était là, là, tout le monde à attendre aux frettes, là, ben, il fait pas frette, mais quand même pas trippant, là. Puis là, on avance tranquillement, puis on attend, puis on attend, puis là, quand je réussis à finir par arriver à la porte, là, là, ça me prend un panier, là, faut que je me lave les mains, mes lunettes bues, je suis écœurée, je suis déjà écœurée, j'ai commencé. Là, je suis à l'épicerie, je respecte toutes les petites flèches dans l'épicerie, je me casse le bécic à trouver, nanana, pis là, je viens pour passer dans la caisse, jusque dans le yogourt en arrière, stick, la file d'attente, c'est malade, 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 astille, j'étais plus capable d'attendre. Là, il faut que tu te tapes la file d'attente dans le magasin pour te rendre aux caisses, puis les caves, ils ouvrent 2-3 caisses, puis là, faut que t'attendes, toi, pour te pointer là. C'est de la grosse marde. Ah, content de pas avoir été là. Ouais. T'as bien. Une autre affaire. Là, je te raconte. Là, le papier de toilette. Tu sais, là, pénurie de papier cul. Ben là, imagine-toi donc que je fais l'épicerie de mes parents, ma grand-mère et nous autres. Puis on a tous besoin de papier de toilette cette semaine, nous autres. Fait que là, j'arrive là, il est en spécial.
Parce que le papier cul, maintenant, c'est contingenté. Fait que là, tu sais, j'ai un rouleau, un paquet. Là, on va le splitter ou bon, on va faire un tirage au sort, je ne sais pas, là. Mais... papier de toilette, c'est n'importe quoi. Puis en plus, là, pense-y. Là, j'ai l'épicerie de tout le monde. Fait que là, moi, j'arrive chez Maxi, parce que mon père est bérette sur Maxi. Puis là, faut que j'emballe seul. Puis là, tu peux plus venir à l'épicerie avec moi. On a le droit à une personne. Mais là, moi, sur le petit tapis roulant, là, ça congestionne. Puis là, la madame, elle s'en sert quelques mouches à du pain, puis quelque chose par-dessus, elle l'empile, parce qu'il faut que ça rentre sur le tapis. Puis moi, ben, faut que je paye, faut que je dépaque le panier, faut que je le repaque, puis toute la kit. Tellement que ça a été long, mon affaire, là. Le monde qui attendait en file, il m'encourageait. Let's go, on lâche pas, let's go! Hey, la gêne, la honte! Oh, je suis tannée. OK, je reviens. Ah, la chérie, va falloir que tu m'aides. Comment ça? Parce que j'ai acheté un méga sac de farine. Tu sais, parce que là, il y avait une pénurie de farine, on n'en trouvait plus nulle part. Ah ouais. Puis là, un addon, j'en ai vu un méga sac. Fait que là, j'ai décidé de l'acheter. Il y a un gars qui m'a embarqué, il m'a aidé à l'embarquer dans le char. Fait que là, va falloir que tu me le débarquer parce que là, je sais pas, là, on approche Noël. Fait que le monde. C'est pas si on fait du pain de même avant Noël, là, imagine à Noël. C'est pas ce qu'ils ont cette année, là, mais. S'ils sont tous en congé, ça fait du pain, des tartes, nous autres au travail, tu sais, qu'on est même pas l'air de se faire souper. Il y a plus de stock, des épiceries, c'est leur seul loisir, eux autres, ceux qui profitent de la PCU. Oh! Fait que, va falloir que tu m'aides. Ouais, je vais t'aider. Je te suis, il va aller ramasser ça. Merci. Hey, une chance qu'on n'est pas l'hiver en plus, il faudrait que j'enlève mes bottes pour rentrer dans la maison. Ouh, ce sera pas long là. 30 minutes. Oh mon Dieu, on a de la vaisselle à faire. Oh. Wesh. Tu sais qu'on se laisse traîner, ça n'a pas d'allure. Une chance qu'on n'a pas de visite. Bien plus crotté chez nous depuis que. Depuis que les enfants sont pas là. Non, depuis que c'est le confinement. J'avoue, c'est drôle. Non, depuis que c'est le confinement, on se laisse traîner. OK. Alors, ce sera pas long. J'ai pas fait comme un roue de vœux, là. Laver mes mains 20 minutes, mais. Je vais avoir un petit plus gros. C'est pas 20 minutes, c'est 5 minutes. 20 secondes, je pense. C'est crotté partout, mais c'est parce qu'on passe notre temps à laver les poignées de porte puis tout ce qu'on touche. Fait que ce qu'on touche pas, on court pas après pour le laver, hein? C'est ça, la vie en pandémie. On lave vite, tout le kit, là, là, là. On est tanné! Bon! Ouais, puis là, c'est pas pire, c'est pas mieux. Ça veut dire qu'après ça, il faut laver tous les canages. Ouais, les ouais, fruits, les légumes. Les nerfs, les nerfs. Non, 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 non. Vous n'arrivez pas à dormir? Achetez le dernier discours de Trudeau. Vous allez faire de beaux rêves. Satisfaction garantie ou on vous envoie un autre discours. Depuis le confinement, le gouvernement fédéral a essayé pour que le monde essaye de s'aider pendant le confinement pour essayer de pouvoir arriver à essayer de... Si vous l'achetez aujourd'hui, vous aurez en prime la partie du discours qui s'adresse directement à vous. N'attendez pas. S'il vous plaît, appelez au 1-800-444-4419. 1-800-444-4419. Aidez les Canadiens et Canadiennes durant le confinement.
Bonjour, mesdames et messieurs. Le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par Recycle Québec. Aujourd'hui, c'est un anniversaire malheureux. Ça fait 3 ans que la pandémie court sur le Québec. Comme vous le savez, la 8e vague est très, très, très virulente. Mais je suis fier des Québécois parce que nous avons un taux de contagion qui est beaucoup plus faible que l'Ouganda. Merci beaucoup. Charles Davin de La Presse. Monsieur Legault, vous dites qu'on est meilleur que l'Ouganda, mais pourquoi sommes-nous les pires au Canada? Tu veux-tu la prendre, celle-là? C'est quoi, je dis? Ben, comme vous savez, on ne peut pas comparer des melons d'eau avec des raisins. Eux, ils utilisent des méthodes complètement différentes. L'important, comme je vous ai toujours dit, c'est ah ouais donc, porte ton masque et lave tes mains. Du purel, tu utilises à chaque fois, sois bien prudent. Sophie Turdel, du Devoir, ça fait maintenant 3 mois, M. Legault, que le Québec est totalement confiné. À quand le déconfinement? C'est vrai, j'ai oublié de vous parler de ça. C'est vrai que ça fait 3 mois qu'on est complètement confiné au Québec et on a pensé recommencer à faire un déconfinement progressif. Donc, j'annonce officiellement qu'à partir de la semaine prochaine, tous les mimes de la province pourront recommencer leurs activités progressivement. Mais pourquoi choisir les mimes, M. Legault? C'est simple. On a tout simplement écouté la recommandation de la santé publique. Veux-tu prendre la question? Bien, comme vous savez, on est obligé de faire un arbitrage entre les différents métiers et on a jugé que les mimes, vu qu'ils ne parlent pas, ils ont moins de chances de postillonner, donc de contaminer. Puis l'important, comme je vous ai toujours dit, c'est « ah ouais donc, porte ton masque et lave tes mains, du purel tu utilises à chaque instant, sois bien prudent, youhou! » Hector Larose, Radio-Canada. Monsieur Legault, une rumeur court à l'effet qu'on pourrait nous imposer de nouvelles consignes prochainement. De quoi s'agit-il? Oui. Si vous vous rappelez, au début de la pandémie, quand on a dit que le virus se propageait par gouttelettes, on vous a encouragé à vous placer, à vous tenir à plus de 2 mètres des autres. Quand on a appris qu'il y avait des aérosols comme vecteur de propagation, les aérosols étaient possibles. Donc, à ce moment-là, on a installé la ventilation appropriée dans nos écoles. Mais récemment, des études franco-arabes nous révèlent que peut-être que si la pandémie persiste, c'est à cause d'un vecteur de propagation inusité. C'est le jet direct dû à des flatulences qui se projetterait beaucoup plus loin que 2 mètres. Donc, si on se fie au port du couvre-siège qu'ils ont adopté en Arabie Saoudite, ils ont réussi à faire fléchir la courbe. Nous réfléchissons également au port du couvre-siège. Vous pourrez voir sur la photo ce que ça a l'air. Jacques Lamarre, Hebdo de Chambly. Monsieur Legault, est-ce que vous comptez vous représenter aux élections qui vont avoir lieu dans 2 mois? Comme vous le savez, ça fait déjà 20 ans que j'ai eu la piqûre de la politique. Ça a pris du temps, mais maintenant je suis immunisé contre ça, donc je ne pense pas me représenter. Merci tout le monde.
en a pas de racisme systémique au Québec. Ouais, je voulais rentrer parce que j'ai eu 90 pour, que je voulais rentrer à l'école de police, j'ai eu 90% dans tous mes examens, puis je suis même pas encore ils m'ont même pas encore appelé. C'est fermé. Je suis désolé, c'est fermé. Mais non, mais je comprends pas là, il était écrit c'est ouvert là, je suis censé être capable de rentrer. C'est fermé. Et monsieur, c'est non, vrai, non, ça, si, c'est fermé. Mais là, je suis plus capable là, du racisme au Québec, là, c'est toujours dans les établissements, là, ça me casse. Ah, fait que c'est fermé, monsieur, circulez. Et là, me le dire, le goût, là, c'est inacceptable du racisme systémique au Québec. Comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas de racisme systémique au Québec. Chez nous, on est médecins de génération en génération. Mais là, vraiment, on est à court d'effectifs. Vraiment. S'il vous plaît, le monde, faites-en une carrière. Check-moi aussi, on est médecin de génération en génération. Mais dans mon pays... Je l'ai dit, je le répète, il n'y en a pas de racisme systémique au Québec. Bonjour tout le monde. Le gouvernement fédéral est fier aujourd'hui de vous annoncer un nouveau programme d'aide. Nous allons injecter 2,5 milliards de dollars pour aider les aînés pendant la pandémie. Nous savons que les aînés sortent moins et dépensent moins pendant la pandémie. Mais le fédéral ne laissera pas personne de côté pendant le confinement. Nous sommes là pour les aînés. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour tous les Canadiens et Canadiennes. J'avais trop gros espace entre, tu vois. Mais moi je prends juste pas de ping. J'ai ça les ping. Moi c'est sérieux, je suis la grosse. Ah mon dieu! Oh, c'est toi! Hey! C'est quelle était 2020. Donc aujourd'hui je me présente Pierrette à ma droite. Pierrette ainsi qu'à ma gauche, Pierre. Alors bonjour tout le monde. Présentez-vous, Pierrette. Bon, mon Dieu, je suis vraiment énervée d'être ici ce soir avec vous, Pierrette et Pierre. Ça va être vraiment fantastique de présenter le Bye Bye 2020. Génial! Alors vous, Pierre? Ah, tu vois, du coup, je suis super nerveux d'être à la télé, mais ça fait plaisir grave, quoi. Ouais. Ce soir, nous allons vous divulguer toute notre année
2020. Pour janvier, qu'est-ce que nous avons, Pierrette? Pas beaucoup de choses, mais ça va vraiment être très fascinant. Bon, alors génial, un beau sourire pour la caméra! Le mois de février! En février, il se passe pas mal d'affaires, hein? Pierrette? Passe la parole à Pierre! Pierre, il pense février, c'est le genre de mois, tu sais, le hockey s'en vient pas mal chaud, il fait pas trop fret dehors, je veux dire, il fait vraiment fret dehors. Puis, les nouvelles sont plates, parce que février, on le sait, on a plus d'argent, on a tout flobé à Noël, on arrive dans la nouvelle année, c'est le premier mois de l'année, hein? Corrigez-moi si je me trompe. Continuez, monsieur Pierre! Et comme disait le chanteur très populaire de la francophonie, Gérald Duguay, si février vous fait frémir, c'est l'heure de dégarpir. Oh, est assez bonne, est assez bonne. Always going up the coast in a minivan that broke, like my voice when I told you I was leaving. Pack my bag up, sick of home. Never homesick down the road. In my room by the moon with no ceiling. Le mois de mars, c'est pour les tomates. Ici, nous avons Pierrette et Pierrette pour vous présenter le mois de mars. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui va vous divulguer quelques informations cruciales par rapport au COVID. Docteur Chouarouigad! Exactement! Donc, le voici ici présent. Bonjour Pierrette. Bonjour. Premièrement, je voulais dire félicitations pour votre beau programme. Tomates pour vous autres. Absolument. Bois de mars et les tomates! Bref, on m'a convoqué ici. Je suis arrivé hier soir en jet privé pour vous parler du nouveau virus qui est apparu sur la croûte terrestre, parce qu'apparemment il était connu sous la croûte terrestre, mais ça c'est un peu trop valable. Bonjour, donc vous voulez nous présenter dans le fond quelque chose de scientifique par rapport au COVID? Nous avons des équipes et des équipes de scientifiques, tous des adeptes du Erlen Meyer par exemple. Le lien ici, ci-dessous pour Erlen Meyer. Ils ont commencé à utiliser la composition chimique de la cellule souche d'une unité programmée spécifiquement pour démontrer les aptitudes relatives d'un être vivant, qu'on appelle la cellule. Et puis, ils l'ont mélangé activement, vous comprenez ce que oui, vous dites? Oui, ça va continuer. Avec la cellule osseuse de la moelle épinière latérale ambidextre. Et j'ai ici un prélevé directement fourni par des volontaires qui ont voulu sacrifier leur moelle épinière osseuse. Ainsi que, vous l'aurez deviné, l'antidote miraculeux pour sauver tous ces... patients. Tous ces patients. Oui, parce que nous devons sauver les gens qui... Car ils sont impatients. Allez, assez de rigolette. Alors, vous allez voir que le mélange est infaillible. Ne jamais verser plus que deux gouttes du concentré acrymogène latéral sélectif. Blanc. Merci pour la question. Et les dissoute. Ceci est la preuve que l'infection est bien réelle. D'accord. Donc... Merci pour votre savoir et docteur Absolument. Oh, bon, alors, okay. Nous allons passer à la pause ce soir. Nous allons revenir pour le mois de mars, c'est les tomates. En avril, on essaie de découvrir par un fil.
Et puis, tout ça pour dire qu'en avril, il faut porter le pantalon par-dessus la chemise. Pierrette? Au mois d'avril, je voulais vous le dire, il s'est passé extrêmement de choses, extrêmes palpitantes, extrêmes fantastiques, extrêmes. Et à la tonne de photos et de vidéos, je vous le dis. Et nous sommes en plus commandités pour le mois d'avril par... C'est une fierté pour moi de vous annoncer que le mois d'avril est commandité par le poisson d'avril! On n'a rien fait en avril! Everybody make some noise for DJ Pepe! DJ Pepe! DJ Pepe! Thank you again for me! Are you ready for the night? Les papillons. C'est J'aime les plantes. J'aime la nature. J'aime les plantes. J'aime la nature. J'aime les plantes. N'importe quoi. Moi, je m'appelle Marie-Mia. Mois de mai, Monsieur Pierre, c'est à vous. Le mois de mai est un mois magnifique, un de mes mois préférés pour être honnête. On sort tout juste d'avril, la neige fond, il fait beau, il fait chaud, tout le monde est content. Megan et moi avons décidé de s'installer dans un merveilleux appartement situé sur la... à l'épicentre de la région touristique québécoise qui est Hochelaga Maisonneuve. Patriote! Maisonneuve! Montréal! Mois de mai! Maintenant, nous allons vous parler de Pierrette et ses activités pendant le mois de mai. Il s'est pas passé grand-chose, mais sinon, plein d'activités diverses. Allons-y, c'est à vous de regarder. Hey, flatte pas ça, tu vas pogner l'herbe à puce là. Oh. Mois de mai, herbe à puce. Les humains sont méchants et la terre est cruelle, et la terre est cruelle. Je désire tout de suite prendre le crachoir des bouddhas, le potard dans un sursaut sans gloire. Pour ma part, ce ne sont ni les guerres ni les famines qui me prennent de la tête. Non, ce serait plutôt la conception ratée à la base de l'humain, la sélection naturelle. Par exemple, le martyr, le... Téléguitaine, bye bye, Covid, tout ça. J'enfile mon slip au sorbet au tâteau. Bloup, 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 bloup. When I think of all the worries people seem to find, and how they're in a hurry to complicate their minds by chasing after money and dreams that can't come true, I'm... Parce que moi, au mois de juillet, ben, je suis allée à la ferme. Ben voyons, on peut pas parler aux invités comme ça, madame. Ça se fait. Non, mais non, mais pourquoi je suis vraiment allée à la ferme? Mais voyons, vous allez encore l'insulter comme ça. Non, mais je suis vraiment allée à la ferme. Non, mais la ferme, là, c'est pas ça le point. On est au mois de juillet, là. Juillet, c'est pour les drôles. Compris.
On peut coucher dans la rue sans se faire piler dessus. Y a des feux d'artifice, ça sent le dentifrice. Les magasins sont ouverts très tard. Télé-Quilten 2020 COVID. Pour le mois d'août, nous allons vous documenter quelque chose de très très doux. Pierre! Vous savez, le mois d'août, c'est un mois très doux. Pierrette! Vous savez, le mois d'août, on considère ça comme le mois des chats. Surtout à la miaou! Hey! Mais qui est le mois d'août? Est-ce le fils à Guillaume d'août? Revanche, pirate! Vous savez, c'est A ou B? Est-ce que Pierre, nous avons une revanche? J'ai goûté à ce merveilleux fromage. Il était si bon, je n'ai pu m'empêcher de lui demander « Il vient d'où? » Okay. Pierrette, avez-vous une revanche? Oh mon Dieu, quelle improvisation! Je laisse la victoire à Pierre. Oh! To the mountain tops, let's go see the mountain show off. Let's go see where angels learn to fly. Let's go on a hike. Let's go. Télé-Quétaine 2020 COVID septembre, c'est comme du gingembre. Ce soir, nous allons énumérer les situations palpitantes que nous avons vécues. Cueillir des légumes, faire du parachute, la baignade en eau douce, planter des légumes, l'achat de plusieurs plantes, achat d'une petite moto, désherber des mauvaises herbes dans les plants de légumes, l'obtention d'un diplôme, la consommation d'eau pure, monter des montagnes, pratiquer le skateboarding, attacher ma chemise. Septembre, c'est du gingembre. Car Pierre. Septembre n'est pas pour s'étendre. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Télé-Quétaine, ce soir, COVID 2020. Ici, nous sommes présents pour un point d'actualité très présent. Exactement. Donc, présentement... Moi, j'ai un message. Moi, j'ai un message pour vous autres. L'année passée, là, ils m'ont annulé l'Halloween à cause qu'ils annonçaient qu'il y avait de la pluie. Il y a la pluie, ils ont dit aux jeunes, restez chez vous, ils ont annulé tout. Oui, cette année, virus, pas virus, moi, oui, moi, y aller, moi. Moi, y aller, moi, aller cogner chez vous, moi, prendre un petit bonbon, moi, y aller, moi, y en a. Exactement, hey, exactement. Ils voulaient pas, ils m'ont dit, ça passera pas comme tout ça. C'est pas fini, ça, c'est pas fini. C'est pas fini. Si Halloween rime avec déguisement, on n'en sera pas dérangeant. Bon, et voilà. Riders on the storm. Riders of the storm, into this house we're born, into this world we're thrown. Like
like a dog without a bone, and actor out of bone, riders on the storm. There's a killer on the road. His Qu'il fait froid ici présentement. Je vais vous envoyer Pierre pour une divulgation météorologique. Alors, si vous avez suivi les prévisions comme moi, le mois de novembre n'est pas destiné à la jeunesse car il y a beaucoup de temps pluvieux. Et pour votre part, Pierrette, par rapport à la météo, on va se dire que le mois de novembre, ce n'est pas le mois de crime, on va se le dire. On se retrouve sur le ventre, hein? Baby, I feel good from the moment I arrive. Feel good from morning to the end of the day. Télé-Quétaine 2020. Présentement, au Québec, nous sommes dans une situation critique. Pour aider la population, nous devons être vigilants. Présentement, moi et mes compagnons avons un message à vous faire passer. Joyeux Noël! Bonne année! Bonne année! Soyez prudents! Soyez prudents! Et on se reverra bientôt! Mais on s'en fout des prends le bélier et puis là, sur le dessus de l'aventure. Mais non, parce que si quelqu'un le prend là, dans ses mains à l'épicerie, là, il contamine. Ok, mais pas trop longtemps dans l'eau. Ah, mais tu sais, Arruda, il est d'accord, le faux. Mais t'as toutes des cannes avec plus d'étiquettes à l'en bas, là. Je dis, à un moment donné, tu vas. On tu va les mettre par catégorie. Je n'aurais pas dû les mettre si longtemps. On va les mettre par catégorie. Tu veux-tu le virus ou pas, là? Non, non, je veux pas de virus. Mais je veux manger ce que je veux. Ok. Ouais, vas-y doucement avec ça. Fait que là, mon père, là, continue mon histoire d'épicerie, là. Ouais. Il me donne rien que des astiques d'idées d'affaires qui n'existent pas. Il m'écrit sur ses listes des affaires qui n'existent pas ou des formats qui n'existent pas. Fait que là, moi, je cherche, j'en finis plus. Pis là, lui, il pense bien faire ça, il met ça par... Attends une minute, je dégouline. Il met ça par catégorie de... par rangée, parce qu'il connaît son maxi. Fait que là, il met ça telle rangée, telle rangée, telle rangée. Fait que là, je le trouve pas. Mais là, à un moment donné, il m'arrive à la fin avec les produits autres. Les produits autres, là, sont n'importe où. Ouais, tu suivi les flèches, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais lui, autre, là, c'est parce qu'il savait pas, d'après moi, c'était où. Fait que là, il me bloque ça à la fin. Fait que le fromage en crotte, il est où les fruits et légumes? Mais lui, ça fait 3 semaines qu'il me le met dans haute, puis moi, je me donne pas, puis je vais pas la lire la fin de la liste que c'était écrit autre. Fait que au début, pour savoir où il faut que je pogne mon stock, fait que là, quand il faut que tu respectes les flèches, c'est un peu de la vente, mais là, j'arrive dans le jus d'orange. Puis là, le jus d'orange, il m'a mis le nombre de millilitres. Fait que là, le nombre de millilitres. Moi, je passe 5 minutes à aller toutes les pots de jus. J'ai jamais passé autant de temps devant le jus d'orange. Là, je suis là, les millilitres. Puis là, à un moment donné, il fait 5 minutes. Je m'écœure, j'appelle mon père. Une chance qu'on a des cellulaires. J'appelle mon père, je dis, père, trouve pas ça ton jus d'orange en millilitres. Fait que là, le nombre de millilitres que tu veux, il dit, ah, moi, j'ai fait ça pour t'aider que j'ai écrit ça, là. Achète que si tu veux, je m'en sac. Ah ben. Ben relax, le père! Moi, il fait 5 minutes, je me casse le bicycle pour le rendre heureux. Lui, il me dit, ben relax, achète-tu que tu tombes! Comme l'autre fois, il m'écrit le pain. Il m'écrit, le même que la semaine passée, il était très bon. Je m'en
vraiment de la merde. Ma mère, j'arrive dans la rangée des biscuits. Des biscuits gouglus. Qu'est-ce que c'est ça, Chris? Les biscuits, tu sais comment qu'il y en a, des biscuits? Ouais. Là, non, tu sais, le gouglu, je suis même gênée de le demander à quelqu'un. Je sais pas, je pense que c'est trop vite. Je pense que c'est un biscuit d'orbite. Le gouglu. Ah, en tout cas, c'est n'importe quoi. Ouais. Ah, tu sais. Salut tout le monde! Il est présentement 16h38 et je reviens tout juste de me faire vacciner pour la COVID. Je sais pas, on dirait que je me sens bizarre. Il y a quelque chose qui est pas normal. Ça, j'ai un petit quelque chose de différent. Ça doit être les anticorps. Bon jeudi tout le monde. Nous trouvons tous difficile le confinement. Certains se sont tournés vers la nourriture pour combler le creux qui s'est créé dans le cœur des Canadiennes et des Canadiens. Le gouvernement fédéral est fier d'annoncer aujourd'hui une subvention de 4,5 milliards de dollars. Cette subvention viendra en aide aux Canadiens et Canadiennes qui voudront se prendre en main à la sortie du confinement pour perdre le poids cumulé en trop pendant la pandémie. Ma conjointe Sophie et moi sommes directement touchés par cette crise. Je vais d'ailleurs inviter ma conjointe Sophie à se joindre à moi pour briser le silence sur un problème qui touche plusieurs Canadiens et Canadiennes. Sophie, joins-toi à moi. Oui, Justin. Non! On est en conférence de presse. Pardon. Un problème qui touche beaucoup les Canadiens et des Canadiennes. Oui, Justin. On reconnaît qu'il va falloir faire tout ce qu'on doit vouloir faire pour pouvoir passer à travers. Nous allons être là pour aider. C'est exactement ce que je suis en train de faire pour faire qu'on puisse passer à travers, pour continuer à faire ce qu'on a à faire. Justin? Est-ce que tu permets que je chante la chanson que j'ai composée pendant le confinement pour les Canadiens et Canadiennes? Bien sûr, mon amour. Nous serons là pour vous, les Canadiens et les Canadiennes. Mon Justin sera toujours là. Bravo, ma Sophie. Sur cette belle note, nous vous souhaitons une très belle année 2021. Coucou! Autre mise à jour? Ça fait maintenant 2 heures que je suis vaccinée. Je pense que... ils m'ont pas donné une bonne affaire. Je sais pas, on dit, mais j'ai l'air... c'est bon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Denis Lévesque. Il me fait plaisir ce soir de recevoir une femme d'affaires que vous adorez tous. Nous allons en profiter pour voir comment elle a vécu la pandémie. Il s'agit de la toute belle Anne-Marie Lozig. Premièrement,
Est-ce que je dois encore t'appeler Anne-Marie ou Marie-Pierre? Vous trouvez, monsieur l'évêque, que j'ai changé un petit peu? Mais c'est simple, c'est que quand M. Legault a annoncé le confinement, ben moi, vous savez, je suis une femme d'affaires, et puis dans le monde du sexe, je faisais pas l'unanimité. Il y avait tous les gays que j'arrivais pas à rejoindre comme marché, et toutes les femmes hétérosexuelles étaient jalouses de moi. C'est pour ça que j'ai profité du confinement pour pouvoir prendre des hormones et essayer de rejoindre la totalité de mon public et de hausser mon chiffre d'affaires. C'est ça le business, la domination. Je suis inspiré par le masochisme. Effectivement, le confinement a eu tout un impact, d'après ce que je peux voir sur toi. Mais justement, j'aimerais savoir comment tu as vécu ça. Ah ben, ça m'a pas affecté vraiment beaucoup, le confinement, parce que au début, vous savez, quand on est confiné, les personnes qui vivent seules ont un gros avantage. Je peux recevoir des gens continuellement, quelqu'un peut venir me visiter un à la fois. C'est sûr que je peux pas faire des partous, mais quand même, on peut pas dire qu'on est au ralenti. Je dois avouer par contre que j'ai eu un gros problème, mon principal problème, puis ça n'a pas été facile, c'est que quand j'ai manqué de batterie avec mon vibrateur, j'ai été obligé d'aller faire la queue. Ça n'a pas été facile, ça, au froid, faire la queue, habillé souvent légèrement. Je te comprends bien, l'hiver est loin d'être une saison propice pour les décolletés. Si on parle de ton livre maintenant, d'où vient l'idée? C'est assez simple. J'écoutais les reportages, les conférences de presse, tous les analystes faisaient des analyses sur si les dirigeants auraient dû savoir le scandale qui est arrivé pendant la pandémie, si le système était à terre, ils auraient dû agir, il fallait qu'ils agissent. Et donc tout ça s'est brassé dans ma tête et c'est là que j'ai eu l'idée de mon livre que j'ai intitulé. Vous savez, moi, faut que ça soit à connotation sexuelle. Donc, tout ce branle-bas de combat, je l'ai ramené à de la business et j'ai intitulé mon livre « C'est le phallus que nous suciâmes ». Comme on arrive à la fin de l'émission, Anne-Marie, tout ce que je peux te dire, c'est que ça sera toujours un plaisir de te recevoir. Viens nous faire un coucou quand ça t'adonne. Oh ben ça me fera plaisir, monsieur l'évêque, de revenir vous voir quand la totalité de ma transformation sera achevée. Merci beaucoup, ça me fera toujours plaisir. Puis je dois vous dire que vous avez une belle barbe, vous aussi. Effectivement, mesdames et messieurs, comme on arrive à la fin de l'émission, tout ce que je peux vous dire, c'est à la prochaine. Ça fait maintenant une journée que je suis vaccinée pour la COVID. Ben, mon conseil, là, c'est... Restez chez vous! Je pensais que la quarantaine, là, ça rendait dingue. Mais là, je ne sais plus quoi faire. Je pense que je pognais de même. Bonjour Justin, bonjour Donald. Je vais en profiter pour enlever mon masque en vous disant que ça provient des petits vendeurs de crevettes de Saint-Jovite. On les remercie beaucoup. Oh, j'ai oublié de toucher dans mon coude. Excusez-moi. Hey Justin, t'es sûr que c'est une bonne idée de jouer l'argent des contribuables après avoir fait le scandale de We Charity? It's all fake news, man. Big shit. All the Canadians love you because you give them all your money. De toute façon,
je n'ai pas beaucoup d'options qui se présentent à moi. Le déficit fédéral est tellement élevé que j'ai peur de décevoir les Canadiens. J'ai alors gagné ce soir est ma seule option possible. Là, Justin, là, ça aurait été le temps que tu te déguises pour passer inaperçu. Justement, Justin, si tu gagnes ce soir, il serait temps que tu commences à penser à faire un transfert fédéral aux provinces. Je t'ai déjà fourni l'armée. Le monde en veut toujours plus. Ok. Je vais t'en faire un transfert. Mais il faut que tu me promettes une chose. Que tu vas rattraper le coup dans les CHSLD. Parce que cette affaire-là, c'est de la grosse merde. Comme moi, je suis all-in. Fake news again! Le monde meurt! Anyway, toute l'année in CHSLD! Forget it! It's a fake news! Toi, Donald, là, y'a-tu quelque chose dans ton monde que c'est pas des fake news? Yes! It's Christmas! But this year, listen, it's a big joke! Sorry for my English. One moment, please. This year, cette année, c'est une grosse, grosse joke. Listen. Tout le monde sur la planète va rester chez eux, dans la maison à Noël, voir personne. Juste parce que fucking nobody a dit que s'ils sortaient, ils allaient tous mourir, gonna die! C'est la plus grosse fake news ever! Ton mandat se termine. Because si le recomptage est truqué, comme les élections, comme le vote électoral, si le recomptage dit pas la vérité et que je gagne pas mon élection, parce que moi je suis convaincu que j'ai gagné l'élection, mais si je gagne pas, je pense aller me présenter aux élections fédérales canadiennes. Ah, merde! Il n'y a pas juste les problèmes d'argent dans la vie. On a des choses à gérer. C'est un buzz, là. J'aurais voulu être en congé pour pouvoir faire leur épicerie. Je sais pas trop ce
qui m'a pris de leur offrir ça, ça m'apprendra. Il y en a qui rêvent de revoir du monde. Moi, tout ce que je souhaite, c'est de m'isoler. La PCU, c'était pas pour moi. À ceux qui disent ça va bien aller. Deux. Oh!